Assalamu alaikum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu yeen ñepp di ñaanal jamm ñu déllu wa ci cuisine Abdallah donc ma ngi préparer mes herbes je vais faire une marinade donc des donne marinade passe-partout du coup j'ai besoin de ail ciboulette oignon blanc et poivron tricolore moi le vert le jaune et le rouge j'ai besoin de la coriandre persil et là il y a les épices donc du coup amna épices céleri sel céleri bi poivre il y a paprika la cannelle et épices colombo du coup j'ai besoin aussi de huile bi donc c'est l'huile d'olive garlic et piment donc légui demay ñew je vais couper mes herbes et puis nous qui connu mixer inchallah voilà légui j'ai coupé ciboulette bi avec persil def aussi ail donc je vais hacher ça légui dem na mixer mais je vais hacher en fait voilà bismillah. Donc là je vais mettre la coriandre. Voilà, je vais couper les poivrons. Voilà. Là, j'ai fini. Et je vais mettre qui des épices ici. Donc, épices Colombo. Une cuillère dessus ma cannelle paprika après dessus sel céleri. Voilà, defna sel céleri poivre et là je vais mettre l'huile. Donc après quoi mettre l'huile bi mon nga jël huile d'olive ou huile normale tournesol ou huile colza. Voilà, ça m'a venu à dire non. Très simple et rapide. Les gbilix c'est passe partout. Mon adem tchidjen, guinard, avec les viandes rouges aussi. Et puis nos plats africains ou nos plats yenini aussi. Donc mon adem. Voilà. Les gbilix c'est passe partout. Mon adem tchidjen, guinard, avec les viandes rouges aussi. Donc on peut consommer même au moins sardouillard parce que j'ai mis huile d'olive. Bi. Voilà, voilà, donc à la prochaine, Inch'Allah. Bienvenue, Allah. N'est-ce qu'il y a un petit diamant.